Quoi, Long? Dis-moi où nous sommes. En mer. Wailong, on est ici depuis quelques jours. Je ne peux pas y croire. C'est impossible. Qu'est-ce qu'on va devenir? Sansan, tu dois y croire. Quoi qu'il arrive, nous sommes libres. D'après le vent, nous devons approcher d'une terre. L'espoir doit nous guider, ayons confiance. La chance va enfin nous sourire. Il faut que nous tenions encore un peu. Il faut venger Bruce Lee. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Où est l'espoir? Nous n'avons plus de nourriture, pas d'eau. Nous mourrons. Ça fait déjà un an qu'on est ici. On a fait 10 métiers. Et on est toujours aussi mal payé. Eh, tu te plains toujours. Réfléchis un peu. On a la chance d'être vivant, non? Alors, regarde. Tu vois cet énorme cargo? C'est un bao, mon patron. Il en a plusieurs, pareil. Il est très riche. Il roule sur l'or. Et nous, nous n'avons rien à nous. Mais nous mangeons, nous vivons, c'est pas l'idéal, bien sûr. Mais nous sommes jeunes. Notre tour viendra. Peut-être très vite. Il suffit d'un peu de patience. Notre avenir est devant nous, pas le sien. Et puis il a réussi, d'accord, mais quand il était jeune, lui, qu'est-ce que tu en sais? Lui aussi, il a peut-être eu des problèmes, il a réussi à les résoudre, c'est tout. Wailong, et bien sûr, tu as sans doute raison. Seulement, je voudrais que l'avenir soit présent. Bon, à plus tard. J'ai une course à faire. Salut. Wailong, il faut te lever, ou tu vas être en retard, tu sais. Dépêche-toi. Sansan? 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 Où sont mes affaires, s'il te plaît? Eh, je suis désolé, mais comment veux-tu que je le sache? Hein? Tu n'as qu'à les chercher, tu as vu l'heure qu'il est déjà, voyons. Allez, viens, nous, on s'en va. Comment?
Non, mais attends. Mais est-ce que tu sais où sont mes affaires, s'il te plaît? Mais qui sait? Aujourd'hui, je veux la sortir. Je cherche toujours. Vraiment, quelle étourdie. San-san, attends-moi. Salut. Non, mais attendez-moi, quoi. Gagner de l'argent avec cette affaire, avec Jean. Il ne nous reste que deux jours. Attrapez cet idiot! Il descend, non? Pourquoi vous frappez ce garçon? Qui est cet homme? Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai jamais aimé que des hommes soient lâches. Surtout quand ils battent un enfant. Tu n'en es pas un. Très bien battu, tu sais. Mais dis-moi, tu habites à Hong Kong, toi? Oui. Ma mère travaille au consulat. Je fais un peu de karaté, mais si tu pouvais m'entraîner, j'aimerais bien. Mais pourquoi pas? Tu me donneras des leçons? D'accord. Mais alors, ce que j'ai préféré, c'est quand t'as fait ça, là. Allez, debout, debout. Hey, tu t'es fait renvoyer en te battant. Comment on va vivre? Tu as peut-être une idée? Je retrouverai du travail. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ouais. Je vais aux courses et je pourrais peut-être gagner. Qui sait? Bon, allez, va te changer. On va aller s'entraîner. Oh, c'est vrai? Bien sûr. Allez, viens. Il faut d'abord apprendre à se défendre avant d'attaquer, hein? Oui, d'accord. Bien. Qu'est-ce que tu fais maintenant contre ça? Si
Si tu combats à main nue contre quelqu'un d'armé, tu prends trop de risques. Alors? Mais comment dois-je faire? Explique-moi. Tiens. Prends. Approche. Tu vois, n'importe quoi peut donner une arme de défense. Ce petit caillou en est la preuve, hein? Tom! Tom! Ça va? Hé! Ah, comment tu t'en sors? Il ne faut jamais être trop sûr, mon vieux, crois-moi! Alors, tu veux continuer? Vraiment, tu es très fort. Hé, tu sais te servir de ces trucs-là? Montre, montre comment il faut faire. La place dans le bar, ils viennent de nous avertir. Cette pastèque, c'était pour que nous fêtions ça. Et regarde. C'est fantastique, je vais avoir du travail. Je vais pouvoir t'acheter des centaines de pastèques. Tu t'en sers bien de ces trucs-là, dis donc. Tu y arriveras. Et ne t'inquiète pas, tu feras vite des progrès. Viens un peu là, le petit noir. T'es tout seul cette fois, hein? Qu'est-ce que vous me voulez? Ben, ton Shintok est pas là pour t'aider. Alors tu vas nous montrer comment tu te bats. Tu te bats, hein? Faites très attention. Oh, t'entends, hein? Alors, comme ça, tu te bats, oui. Prête. Allez. Vous allez le regretter. Oh, t'as entendu? Oh, l'avantant, hein? Eh Et deux jolies filles sortent. Pas glacées. Ah, Peter, t'as dû bien t'ennuyer et souffrir ces derniers temps. Cette bagarre s'est mal terminée pour toi. Alors il faut t'en profiter ce soir. Si c'était un ordre. Ah, mais c'est Monsieur Chin. Voici Peter, Annie et Laura. Bonjour, Peter. Il me semble que mon ami vous a tout de suite attiré. Soyez très douce avec lui, il vient d'avoir quelques ennuis, le pauvre garçon. Je suis sûr qu'avec vous, il les oubliera. Elles sont merveilleuses. C'est lui! Mais c'est ce garçon qui m'a attrapé! Oui, pourquoi? Vous en voulez encore? Cette fois, je vais... Ça suffit, Peter, assez. Tu ne peux pas te donner en spectacle dans un lieu public. Alors, assieds-toi, t'es dans ton lit. Joël, occupe-toi de ce type. Allez, vas-y. Détendez-vous.
de fruits. Allons, oublions vite ce regrettable incident. C'est terminé. Je t'attendais. Nous partons. J'ai une mauvaise nouvelle. Ah. On m'a foutu à la porte aujourd'hui. Et pourquoi? Bah, à cause de la bagarre. Ah. Si je comprends bien, c'est de ma faute, hein? Je suis désolé. Oh, il faut pas. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, c'est la cinquième fois qu'on me vire. Et c'est jamais de ma faute, je comprends pas. Tu veux que je te dise? Moi, je manque de chance sur toute la ligne. C'est la vie. Tu m'en veux? Tu parles. Ah bon. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je veux te donner une bonne leçon. Et qui es-tu pour ça? Un homme de Monsieur Chin. Tu lui as fait du tort, il a horreur de ça. Si je lui ai fait du tort, qu'il vienne me le dire en face. Lâche-moi. Pas question. Tu vas mordre la poussière ici. Eh bien, joli travail. Ça ira? Oui. Partons d'ici. Même si tu as raison, tu n'as que tes deux mains contre eux. Tu comptes lutter longtemps. Hong Kong est une ville de violence. Et la justice n'y a pas sa place. Je n'aime pas ça. Tu ne dois pas te battre. Mais comprends-le. Ce sont eux qui m'y ont forcé, non? Et si je me cache, ils finiront bien par me trouver, non? Si tu savais rester calme, rien n'arriverait. Non. Ils croiraient qu'ils les narguent et ils deviendraient bien plus méchants. Aujourd'hui? Non, pas. Mais je vais jouer à un bon paquet. Pas de chance. Ah, je suis fauché. Bon, t'inquiète pas. Moi, j'ai un tuyau. Ça t'intéresse ou pas? Je peux te le passer? Tu crois? J'ose plus jouer. Eh ben, tu peux me croire. C'est gagné d'avance. C'est garanti dans la deuxième. Tu mets tout sur le 6. Ta chemise avec, si tu veux. D'accord? Sur le 6. C'était mise? Merci. Et toi? 500 sur le 6 dans la deuxième. Ah. Patron, à la table là-bas, vous avez vu le type? Il veut parier 500. C'est la première fois qu'il joue tant. Trop tard. Les paris sont fermés. Va le lui dire. Hein? C'est du tout cuit. Je suis désolé, c'est terminé. Non, qu'est-ce que tu dis? Il y a 5 minutes, je jouais encore. Tu vas me jouer cet argent, non, oui ou non? Non, j'ai dit non. Tu ne peux pas refuser. T'as pas compris? Il t'a dit non, c'est non. Tu enlèves tes pattes et tu t'écrases. Tu prends mes paris? Non, le patron veut pas. Bien. Assez. Tu vas filer, dis. Pousse-toi. Du calme, t'entends? Monsieur, M. Wang, il y a un client qui nous cause des ennuis. Qu'est-ce qu'on en fait?
Entendu. Wailong, tu devrais te coucher. Tu travailles tôt demain matin. Je viens de terminer ce livre. Ça me donne à réfléchir. Bruce Lee? Oui. Il a voulu aller trop loin, trop vite. Et pour résultat, il est mort trop jeune. Mais il a marqué de son nom le kung-fu. Et puis surtout, il l'a fait connaître au monde entier. J'ai un seul espoir, avoir autant de chance que lui. Je ne le pense pas. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Sans doute parce que j'ai peur. Et aussi, je t'aime bien. Tu sais ce que l'on dit. Quand ils sont à Hong Kong, les hommes changent beaucoup. Les hommes changent n'importe où. Parce que c'est normal. La vie les fait changer. Seulement... je suis sûr d'une seule chose, moi. Notre amitié, elle ne changera jamais. Bonjour. Salut. 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 Inutile de te changer. Hier, tu t'es battu avec des gens qui sont mes clients. Aussi, le grand patron m'a fait dire que les types comme toi, c'était... très mauvais pour nous, et que tu devais partir. La porte derrière moi, c'est tout droit. C'est pas de faute que c'est arrivé. C'était le meilleur endroit de la ville, cette boîte. Elle marchait très fort. Tu me fais perdre une grosse somme. Oui, et après, ce sont eux qui ont attaqué et je n'ai fait que me défendre. Alors maintenant, qu'est-ce que tu me veux? Déjà, si tu avais été raisonnable, rien ne serait arrivé. À cause de toi, ma boîte est fermée. C'est ça le problème que j'ai. Oui, mais c'est arrivé. Et on ne peut rien y changer. Oui, ça je le sais. Ça, c'est une autre histoire. L'important, c'est ce que nous perdons tous les jours, beaucoup d'argent. Alors, il va falloir que je prenne une décision à ton sujet. Bon alors, qu'est-ce que vous lui demandez? Je veux 33 333 et 33, c'est le prix. C'est la perte très précise. Tu es un plaisantin. Allons. C'est trop, je pense. Soyez gentil, descendez, oui. Faites un geste. D'accord. J'enlève 3333, mais ce ne sera pas plus. Écoutez, j'ai pas un sou. Ou vous irez en justice, ou nous devrons nous battre. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il n'a pas d'argent? Prenez! Non. Pas régler ça de cette façon. Je vais y réfléchir. T'inquiète pas, on saura comment te faire payer. Écoutez, oui. Le garçon mérite une leçon. Occupez-vous-en. Oui. Oui.
quoi? Il est tard, c'est l'heure de partir. Oui. Oui, mais je voudrais finir ça avant de partir. Bon. Salut. Salut. Alors, toujours sans argent, sans doute. Eh bien, tu vas savoir comment je me fais payer. Les gars, allez-y. Comme ça. On part. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, crétins! Les rattrapez-les, dépêchez-vous! Allez-y! Été battu, soit. Mais en plus de ça, nous avons perdu la face. Vous avez échoué lamentablement. C'est la deuxième fois en quelques jours. Je me demande pourquoi je vous paye. Je devrais vous mettre dehors. Et vous aussi. Désolé, je n'ai pas de travail pour vous. Peut-être ailleurs, essayez toujours. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, Wai Lung, c'est uniquement par ta faute. On se retrouve à la rue. On s'en sortira. Tant que j'aurai mes poings pour me battre. Recherchons jeune boxeur se présenter ce jour.
Ces compétitions sont dangereuses, je suis très inquiète. Non, ne t'inquiète pas, c'est beaucoup moins dangereux que de rester perdu des jours et des jours en mer. Nous n'avions pas peur. Au moins maintenant, nous sommes vivants, tu es d'accord? Tu sais, ce n'est qu'une question d'entraînement, hein? Dans ce genre de combat, il faut du courage, c'est tout. Mais surtout, un grand contrôle de soi-même, c'est ça le plus important. T'en fais pas. Tu dois me faire confiance. Si je gagne ce combat, je veux t'épouser. Tu veux bien? Demain, c'est ton anniversaire. Nous fêterons aussi nos fiançailles. Désastreux. Se défendre sans attaquer, c'est inutile. Une défense agressive, c'est un peu mieux peut-être. Mais c'est l'attaque, la solution. Allez. Maître, vous avez... Tiens, un combat reste un combat. Pas d'amitié. Lève-toi. Tu n'as rien compris. C'est ta vie qui est en jeu lorsque tu combats. Un combat ne doit avoir qu'une issue dans ton esprit, être le plus fort. Tes adversaires, eux, feront de leur côté tout ce qu'ils pourront pour vaincre. N'importe quoi. Ils ne viennent que pour la victoire. Ils utiliseront des ruses avec toi. Si tu veux te battre comme ça, tu ne tiendras pas un seul round. Ces combats sont très dangereux. N'oublie jamais, protège tout le temps du combat tes points faibles. C'est ce que ton adversaire va rechercher. Et c'est ce que tu devras toujours chercher chez lui. Bien, je vais te montrer maintenant. Je n'ai fait que me défendre, sinon tu serais déjà mort. Je veux que tu saisisses bien tout ce que tu dois encore faire. Cette fois, c'est toi qui vas porter le coup sur moi. Vas-y, attaque. C'est trop faible, et pire encore. Sans aucune précision. Tu aurais dû me frapper ici. Souviens-toi. Qui que tu es en face de toi, c'est ta vie ou la sienne. Pense-y toujours. Tu as vu cette jolie bague? Elle plairait à Tsai-Yong. Tu as vu le prix? Ce serait de la folie. Si j'avais un peu d'argent sur moi, c'est cette bague-là que je lui aurais achetée. Avec ce que tu as, tu n'auras pas grand-chose à lui offrir. Tu ferais mieux de venir aux courses avec moi. Avec un peu de chance, tu lui offriras. La bague sera à son doigt demain. Oui, sans chance, demain je n'aurai même pas de quoi manger. Avec ce que tu as, tu ne trouveras rien, alors fonce, sois sérieux. Mais je peux toujours essayer. Alors tu n'as qu'à rentrer, mais tout seul. Vous désirez, monsieur? Vous auriez quelque chose de joli, mais pas trop cher. Et oui. Regardez ce modèle. Elle plaira, j'en suis sûr. Alors, vous la prenez?
Eh, je la prends. Dites-moi, est-ce que vous pourriez me faire une jolie boîte? Bien sûr. Tiens, ça c'est pour toi. Elle est jolie. Elle a dû te coûter cher. Wailung, tu dois lui passer. Oui, c'est vrai. C'est à toi de le faire. Allez, vas-y. J'ai gagné aux courses. Alors tout le monde est content. J'ai été lui acheter. Et puis toi, tu lui as offert. Maintenant, c'est à toi d'agir. Souviens-toi, tu ne peux pas échouer. Tu dois être vainqueur. Je le sais. Les hommes de taille, les Japonais, les Coréens, ne te poseront pas de problème. Le seul que tu aies à redouter, c'est ce garçon, Wong Wailung. Méfiant, il est très fort. Aucune technique particulière, mais son style est très proche de celui de Bruce Lee. De tous, c'est lui le plus dangereux. Mais tu dois arriver à le vaincre. Seulement, il faut être très prudent. Je compte sur toi pour vaincre. Je vaincrai. La renommée du kung-fu chinois repose entièrement sur toi. Gentlemen, and welcome here. This is ABC bringing you live coverage of this tremendous international karate championship here tonight.
We have two men here that I think are very well known indeed to you, as in fact they are to the whole rest of the fighting world. They've come a long way to fight here tonight, these boys. In fact, they've come all the way from Asia, both of them. And now let me introduce to you these men. We have here Wong Wai Lung, and of course, Ga Ching. Vous avez gagné beaucoup d'argent. Comment expliquez-vous ça? J'ai eu de la chance. Les gens vous considèrent comme un second Bruce Lee. Ça vous plaît? Bruce Lee a créé une nouvelle technique. C'est la personne que j'admire le plus au monde. Sa mort fut une grande perte pour moi. Oui, ce fut atroce. J'espère pouvoir améliorer encore sa technique de combat. Et je ferai tout ce que je peux pour essayer d'achever son œuvre. À quelle école de combat pensez-vous appartenir? C'est très difficile de répondre, mais enfin, une chose est sûre. Pour développer le kung-fu, seule une recherche basée sur la science peut donner des résultats. C'est ce que disait Bruce Lee. Donnez ces urnes. Voulez-vous vous entraîner? Messieurs, vous battez très bien tous les trois, bravo. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici. Je vais avoir besoin de vous pour régler un petit problème assez délicat. Mais si vous décidez de rester ici, je vous garderai. Croyez-moi, vous n'aurez plus de problème d'argent. Thank you.
ça va, ça va. Tu apprends vite. Tu sais que Wai Lung sera content. Ah, il rentre. Dès que l'on a su que tu arrivais, des hommes se sont présentés pour te provoquer. Comment tu peux vivre comme ça? Je dois accepter tous les combats, mais je ne serai pas battu. Si tu n'étais pas un champion, aujourd'hui nous vivrions tranquilles. Écoute-moi, un homme a combien de chances dans sa vie? Et moi, ma chance, je la tiens 7 fois. Et je ne veux pas la laisser passer. Est-ce que tu me comprends? Ah!
Wei Lung, Tsai Yun a été tué. Avec ce que tu as eu, ils disent que tu ne pourras plus combattre. Wei Lung, tu es jeune encore. La vie entière est devant toi, sois fort. Tu gagneras encore cette fois. J'ai une maison à la campagne, tu peux t'y installer. Tu seras chez toi, tu te reposeras là-bas. Tu y resteras aussi longtemps que tu le voudras. Je comprends ce que vous ressentez. Et je vous demande une seule chose. Ayez confiance en nous. Depuis 10 ans déjà, nous faisons tout ce qu'il est possible de faire pour coincer Shun Siku. Et nous n'avons rien pu faire. Nous n'avons aucune preuve contre cet homme. Pour l'instant, nous avons plusieurs pistes. Tout cela prend beaucoup de temps. Un jour ou l'autre, nous l'aurons. Et moi, je le veux tout de suite. C'est un assassin qui court toujours. Ma fiancée a été assassinée. Ça ne vous suffit pas comme preuve? Entrez. Ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. C'est une voiture qui l'a renversée. Mais à qui appartient-elle? Vous allez le prouver? Et en plus, qui la conduisait? Peut-être lui. Alors prouvez-le! Votre agression. Comment prouver qu'il l'a commandée? Ces hommes ne parleront jamais. Avant de pouvoir agir, une preuve nous est nécessaire. Je vous promets de m'occuper de cette preuve. Vous devrez attendre, soyez patient. La seule chose dont nous soyons sûrs, il nous faut un peu de temps. Du temps, du temps! Pendant que vous attendez, il va pouvoir assassiner encore combien de personnes, hein? Je sais pas. Ça va aller très bien. Le docteur t'a dit de ne pas bouger. Non. Je veux bouger. Reprendre des forces. M'entraîner. Je dois le faire. Que mes mains retrouvent leur agilité. Oh, ces ordures. Ils ont tué une jeune fille et cela, jamais je l'accepterai. Yun a été tué. Je jure qu'ils me le paieront. Wei Lung, il a beaucoup d'hommes, ce chien. Et il a beaucoup d'argent aussi, alors. Que vas-tu faire? Je les aurai tous. Rien n'arrête un homme vraiment décidé. J'aurai ma vengeance. Tu peux en être certain. Si cela doit me prendre la vie, ça n'a pas d'importance. Je les tuerai. Je te le jure pour toujours. Oh!
femme qui verse. Hey. I know what I'm talking about. I lost the one I love because I didn't see him. Tu es seule? Est-ce que tu voudrais que je te tienne compagnie? Quelle heure triste. Faut que tu t'amuses. Tu es bien trop jeune pour être triste. Allez, tu viens me faire danser. J'en ai pas envie. Allez, viens. Viens pour que je sois heureuse. Viens. Des hommes pour chercher des histoires. Ce sont les hommes de Chine. Suis-moi. Dépêche-toi. Par ici. Comment tu t'appelles? Dora. Pourquoi tu m'aides? Je fais ce que j'aime. Andy, tu n'as pas peur de ces hommes? Non, je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai peur de rien. Tu habites là? Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que tu fais? Entraîneuse. Alors, qu'est-ce que tu attends planté là? Tiens, t'as envie de prendre un bain? Ça te fera beaucoup de bien. Allez, allez, je vais vite. C'est pas la première fois, tu sais, que je vois un homme nu. Qu'est-ce que tu veux? Je suis ici chez moi. J'ai le droit de me doucher.
À toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es blessé? C'est rien. Ça passera. Il y a longtemps que je n'ai pas vu Kwan. Oui, il est occupé. Il m'a dit qu'il avait un nouveau poulain. Let's get some wine, huh? Patron, je leur porter une autre bouteille. Bien. Qui est tout rouge. Mademoiselle, c'est de la part de Monsieur Chin. J'ai envoyé une bouteille. Pourquoi? La main très leste. À mon avis, avec ces pointes, tu devrais gagner très vite ta vie. Ne t'en sers jamais ici. Bien sûr, on est de deux côtés assez différents. Essayons de l'oublier. Tu sais, j'ai rien contre toi. Et si je pouvais t'aider en quoi que ce soit... Sur mon compte. Ouais. Ah, écoute, si tu aimes cette fille-là, ne la laisse pas traîner dans ce bar. Comment tu as connu ce type-là? Oh, il venait souvent me voir. Tu as l'air de bien l'aimer. C'est un homme riche. Alors il faut être aimable. C'est avec eux que je gagne ma vie. Dora, arrête de faire ce travail et je t'épouse. Tu m'épouses? Oui. Mais est-ce que tu as une maison, une voiture et un compte en banque? Ben non. Si on se marie, je devrais continuer à travailler. Vous avez de nouveaux parfums? Oui. Dora. Dora, je vais travailler. Écoute-moi, tu peux te battre. Tu le fais très bien. Tu as un peu le style de ton ami Wei Long. Seulement, il faut te secouer. Tu es trop tendre. Écoute, je veux bien t'épouser, mais j'ai besoin d'argent. Ce que je veux, c'est un beau mariage. Oh. Alors, trouve-toi un bon travail et je verrai ce que je décide. Tu comprends, je veux certaines choses. Alors, ne t'inquiète pas. J'attendrai un peu, hein? Kwan, c'est moi. Où es-tu passé depuis si longtemps? Eh bien, raconte. Oui, mais avant, j'ai une surprise. Je te présente ma fiancée. Dora. Salut. Est-ce que tu te souviens? Moi, oui, je me souviens bien de toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu deviens? Vous vous connaissiez? Oui, on a travaillé au même bar tous les deux. Dis, on pourrait s'entraîner un peu, non? Maintenant, non. J'ai quelque chose à te dire.
Bien, allons-y. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Ben, j'ai besoin d'argent. Tu as encore perdu au jeu, c'est ça? Non, c'est autre chose. Tu veux 10 000? Le double. C'est une grosse somme, mais c'est pourquoi? Me marier. Quoi? Avec qui? Dora. Dis, tu sais quel est son métier? Oui, je le sais. Elle est entraîneuse. Alors, tu voudrais l'épouser malgré tout? Parce que je l'aime. Voyons, comment tu peux aimer une fille pareille? Je l'aime. Ta réponse. Alors? Attends. Nous sommes seuls. Nous n'avons plus de famille. Nous sommes comme deux frères tous les deux. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je me sens le droit de te parler. Inutile de me parler. J'ai parfaitement compris. Tu es un salaud. Attends, attends. Tu t'es disputé? Mais pourquoi cette dispute? C'est à cause de l'argent? Oui. C'est comme ça qu'on découvre ses vrais amis. Le jour où tu as besoin d'argent, ils disparaissent. Tu ne peux compter que sur toi. Qu'est-ce qu'il va vouloir t'aider? Je croyais que tu avais un ami sûr en Weilung. Je vois que tu t'étais trompé sur son compte. Il a refusé. C'est incroyable, je n'y arrive pas. Et tu remets sur 200. Hé, je veux une avance. Tu as du répondant? Pourquoi moi? Lui, tu lui as prêté sans rien. Mais lui, je le connais. Mais tu me connaîtras. Ah, non, pas question. Hein, ça va, Chinegan. Ah, alors c'est d'accord. Donne-lui. Donne-lui ce qu'il veut. Donne-lui. Ah, donc vous ne partez pas, la chance va tourner. Non, j'arrête. Quand la chance tourne, il vaut mieux abandonner, c'est plus raisonnable. Venez, allons prendre un verre. À ton avis, qu'est-ce qu'il vaut, Kung Fu? Oh, tes trois meilleurs hommes, ça j'en suis sûr. Qu'il n'aurait aucune chance de le battre. Et moi alors? Tu crois qu'il pourrait me battre? Tu es plus fort que lui, Oli. Seulement pour le reste, je ne suis pas si sûre. Et ça ne m'intéresse pas. Oh? And me then? You think you could beat me? Hmm. Well, your bedroom kung fu is better than his. But still, in fighting, that I wouldn't know. Tu es une vraie sorcière. Tu vas me montrer tes dons, mais si tu es aussi forte qu'en parole. Tu vas être très étonnée. C'est lui que je veux.
Partez. Je vous ai dit de partir. Foutez ça. Ah!
Ouais. Patron, voyons bien comme fou. Il a tué vos trois meilleurs hommes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Solo. Il a osé revenir. Thank you.
doesn't little black boy have something to tell you? There's been a rather nasty accident. It's your teacher. He won't be back. I suggest that you go along and help to bury him. Oh? So you've learned some kung fu, huh? Right. Let's fight. Qu'est-ce que ça signifie? Tu ne vois pas? Réfléchis un peu. Mais qu'est-ce que tu veux? Toi. Si Yoon avait raison. Les hommes changent. Même les amis se battent. Le monde est cruel et n'épargne personne. Tu devrais le savoir. Et combien ils t'ont payé pour ça? Qu'est-ce que ça fait? Toujours assez. T'étais prévenu. Je ne tiens pas à le faire. Seulement, si ce n'est pas moi, un autre viendra pour te tuer. Comme ils ont payé. Écoute, pas toi. Wai Lung, nous étions amis, mais c'est terminé. Ne fais pas ça. Je refuse de te tuer. Je t'en prie, arrête. C'est trop tard. Tu mourras de ma main. Mourir en mer. Jamais tout cela ne serait arrivé. Quan. Tom. Get revenge. Oh? So you've learned some kung fu, huh?
That's fine. Cut! Cut! Hey! Hoop! Ta! Ta! Oh! What? Hey! Cut! Hey! Cut! Hey! Cut! Hey! Yeah.